Bonjour les amis! J'ai acheté 12 carottes, mais il ne m'en reste que 10. Que s'est-il passé? Tu dis? Oui, le lapin a mangé les carottes qui manquent. Ah oui, tu as raison. Voyons ensemble combien de carottes le lapin a mangé à l'aide de la soustraction. Allez, suis-moi. Voyons ensemble le nombre de carottes que j'ai ramenées du marché. Une carotte, deux carottes, trois carottes. Et quatre. Cinq carottes, six carottes, sept carottes, huit carottes, 9 carottes, 10 carottes, 11 carottes et 12 carottes pour le lapin. Bien, donc 12 carottes. Voilà, j'ai acheté 12 carottes. C'est-à-dire 2 unités que je place dans l'unité, dans la colonne des unités à droite et le chiffre 1 dans la colonne des dizaines. Oh là là, j'ai des grosses pattes, c'est pas facile. Alors, 1, voilà. 12. Une dizaine et 2 unités. Bien, donc j'avais 12 carottes. Il m'en reste 1, 2, 3, 4. 4 carottes. Et tu comptes avec moi, hein. 5 carottes. 6, 7, 8, 9, 10. Ah, il m'en reste plus que 10. C'est-à-dire une dizaine et 0 unité. Bien. Calculons le nombre de carottes que le lapin m'a mangé. Alors, j'avais 12 carottes. Il m'en reste 10. Donc, je vais calculer la première colonne qui est à droite, celle des unités. 2 moins 0, ça fait 2. Ah, facile. Voilà. Je suis fort quand même, hein. Ah oui. Bon, voilà. La colonne des unités est terminée. Attaquons la colonne des dizaines. 1 moins 1, 0. Oh, ça c'est facile. Fastoche. Et voilà. Donc il reste 2 carottes. Oui. Une, deux. Eh oui, le lapin avait bien 2 carottes. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Pom, 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 pom. Merci de votre visite et à bientôt. Pom, 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 pom.